maintenant une tradition très ancienne dans notre bonne ville d'Aix. Il y a maintenant 391 ans, dans 90 ans, en 1629, une épidémie de peste particulièrement meurtrière ravagea notre cité. En janvier 1630, au plus fort de la tourmente, alors que bon nombre de notables et de magistrats avaient fui la ville, l'assesseur Martelli, à la tête du peuple, assista à la messe et fit vœu de célébrer chaque année le 1er septembre un office d'action de grâce pour remercier Dieu et la Vierge Marie, patronne de la ville, invoquée par les Aixois sous le titre Notre-Dame de la Cède. C'est au cours de l'un de ces offices que, nous dit la légende, mais je ne garantis rien, furent distribués les célèbres calissons d'Aix qui étaient considérés comme une sorte de pain béni et de fortifiant. Au moment de la bénédiction, on chantait un refrain, Venite ad calicem, évidemment la liturgie était en latin à l'époque, que les Aixois traduisirent bien vite par Venez tutti per lei calisson, c'est-à-dire venez tous au calisson. Aujourd'hui, chers amis, nous n'avons plus à nous battre contre la peste, mais nous avons gardé les calissons. Le geste que nous allons faire maintenant gardera néanmoins la beauté et la simplicité confiante qui animaient les Aixois lorsqu'ils venaient chaque année rendre grâce à Dieu de les avoir sauvés de la maladie et du danger. Ils manifestaient ainsi, par le fait de manger ensemble ces calissons, que le partage dans la joie est un des plus beaux gestes de la vie humaine et de la foi chrétienne. Maintenant, pour commémorer le geste de l'assesseur Martelli, Madame la sénatrice Sophie Joissin va allumer le cierge qui symbolise la durée dans le temps de ce geste. Voilà, bravo. Maintenant, chers amis, nous allons entrer dans l'église. À la suite du clergé, des autorités et des différents corps constitués, avec les groupes traditionnels hôtes de la ville d'Aix, et notamment les compagnons du Calisson, tous ont bien voulu participer et animer cette fête. Ensuite, vous entrerez vous aussi. Pour ceux qui ne pourront entrer, ils pourront suivre à travers les effets sonores qui sortiront du portail rénové.